Le tronçon ferroviaire Niamey-Cotonou, inauguré par Mahamadou Issoufou. Le président nigérien a procédé ce vendredi à l'officialisation des travaux de cette voie de 140 km, construite par le groupe Bolloré et qui reliera à long terme Niamey à Cotonou au Bénin pour la première fois. Le premier trajet, dont les travaux ont débuté en avril 2014, s'étendra notamment entre la capitale et la ville nigérienne de Dosso, proche du Bénin. Le président nigérien n'a pas caché sa satisfaction. 140 km ont été réalisés en quelques mois. C'est une belle performance que réalise là le groupe Bolloré, qui est le groupe avec lequel le Niger et le Bénin ont mis en place un partenariat public-privé en vue de la réalisation du chemin de fer entre Cotonou et Niamey. Ce tronçon est le nœud d'une boucle ferroviaire longue de 2700 km qui sera réalisée par la multinationale française Bolloré. Elle devrait notamment relier 5 pays d'Afrique de l'Ouest.